Ce mercredi 27 décembre, Gérard Depardieu fêtait ses 75 ans, dans un contexte particulièrement tendu, alors que son nom est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Mais avec qui l'acteur, accusé de viol et d'agression sexuelle, a-t-il passé cette journée? Les accusations de viol et d'agression sexuelle qui pèsent contre lui sont particulièrement lourdes, et le numéro de complément d'enquête, diffusé le 7 décembre dernier, a mis en lumière une facette très sombre de Gérard Depardieu. L'acteur, qui a été filmé en train de tenir des propos obscènes, sexualisant notamment une fillette, cesse depuis d'attirer les foudres de l'opinion. Mais pas celle d'Emmanuel Macron. Lors de son entretien très attendu sur Cet à vous, après le vote sur la loi immigration, le président s'est permis quelques mots sur Gérard Depardieu, rappelant l'immense talent de l'acteur et toute l'admiration qu'il lui portait. Des propos qui ont déclenché une très vive polémique, alors qu'une guerre ouverte semble avoir éclaté entre les soutiens du comédien et ceux qui tiennent à ce que la parole de ses victimes présumées soit prise en compte. Dans la foulée, 50 personnalités ont accepté d'apposer leur nom sur une tribune publiée dans Le Figaro, dans laquelle elles ont notamment déclaré « Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. » Un anniversaire loin de Paris pour Gérard Depardieu. Parmi les soutiens de Gérard Depardieu, sa famille, notamment sa fille Julie Depardieu, qui s'était même exprimée sur le plateau de Pascal Pro sur CNU, le 18 décembre dernier, pour défendre son père. Pourtant, la comédienne de 50 ans n'était pas présente pour l'anniversaire de Gérard Depardieu, qui soufflait sa 75e bougie ce mercredi 27 décembre. L'acteur, qui a quitté son hôtel particulier parisien pour échapper aux regards et à la pression autour de lui, se trouvait, selon les informations dévoilées par Closer, dans son domaine viticole de 100 hectares dans l'Anjou. Aucun membre de sa famille, ni aucune personnalité du monde du cinéma ne s'est déplacé pour l'anniversaire de Gérard Depardieu, qui a passé cette journée avec des anonymes, souvent rencontrés au gré de son activité de tchaï, entre Angers et Saumur, explique Closer. Un anniversaire loin de la capitale, où l'ancienne légende du cinéma français n'est plus la bienvenue,